Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'éco. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Michaël Pouchelet. Et bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur de la société Tout Eco, éditrice du site internet eco-brico.fr. Alors, en deux mots, c'est un site d'annonce pour tout ce qui est du bricolage. Dites-nous en plus tout de même sur vraiment le concept même. Alors le concept d'éco-brico, c'était avant tout un constat de se dire qu'aujourd'hui, quand on faisait des travaux, il y avait toujours des fins de chantier qui nous restaient, parfois un pot de peinture, parfois des planches, du carrelage, et puis qu'on le gardait précieusement jusqu'au bout d'un moment où, au bout de 6 mois ou 7 mois, madame ou nous-mêmes, on se disait, bah mince, ça prend de la place dans le garage, et puis je le mets à la déchetterie. Donc on trouvait ça un peu dommage, en sachant qu'aujourd'hui, il y avait des gens qui potentiellement pouvaient utiliser ces fins de chantier, et la logique d'éco-brico, c'est de mettre en relation des bricoleurs, des voisins dans l'objectif pour pouvoir vendre, louer ou donner des fins de chantier et que ça puisse bénéficier à d'autres. Alors c'est une société assez jeune, hein, pour rappeler l'historique, elle s'est créée quand? Alors la société s'est créée le 13 août de l'année dernière et on a lancé officiellement le site le 1er janvier 2014 sur la région de Dunkerque dans un premier temps, puis ensuite sur la région Nord-Pas-de-Calais dans son ensemble. Et aujourd'hui la France peut-être, et si vous deviez nous donner voilà, des chiffres sur le nombre d'annonces qui ont déjà été publiés, le nombre d'échanges, de clients? Alors le nombre d'annonces publiées aujourd'hui, on est à peu près à 9000 annonces qui ont été enregistrées sur le site depuis son lancement, 1 850 000 pages vues, avec un temps passé sur site de 6 minutes 10 en moyenne, donc on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt pour les gens, une vraie prise de conscience que dans nos garages ça débordait, qu'on a gardé beaucoup trop de choses, et depuis, aujourd'hui on est à 3800 annonces quasiment sur le site internet, ce qui fait qu'on a un delta de presque 5000 annonces qui ont été vendues, produits et vendues à travers le site depuis le 1er janvier. Ce sont des chiffres là, sur la première année qui correspondent à vos objectifs, qui sont même supérieurs? Ce sont des chiffres qui correspondent plus ou moins à ce qu'on souhaitait faire sur la première année, en sachant que de par la différenciation du site internet sur la fin de chantier, on avait une vraie éducation à apporter sur ce réflexe économie et écologique. Ça faisait pas partie des habitudes pour les gens de vendre des moitiés de pots de peinture ou de vendre des poignées de porte quand on avait terminé des travaux ou quand on en changeait. Donc on a dû communiquer de manière très très ciblée, notamment sur Dunkerque, puisque c'était notre terrain de jeu au départ et d'entraînement, pour pouvoir valider le modèle économique et savoir comment est-ce qu'on allait le porter sur d'autres territoires. Aujourd'hui, on peut tout trouver en ce qui concerne le bricolage, il n'y a pas de frein, voilà, vous disiez du plus simple à poignée de porte ou au plus lourd, des coffrets électriques à 1000 € par exemple. On trouve des coffrets électriques, on trouve des citernes de remplissage d'eau, on trouve 2 mètres carrés, 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres carrés de carrelage, majoritairement des pots de peinture parce que c'est vrai que c'est un produit usuel. La philosophie du Made by Myself a fait que de par les émissions de télé qui passent régulièrement, les gens aient envie de changement, on a envie de changer la couleur de la cuisine. Aujourd'hui, le bricolage, c'est quelque chose qui s'est démocratisé et en même temps ça représente un budget très important dans les ménages français aujourd'hui, c'est 940 € par an en moyenne de dépenses dans l'amélioration de l'habitat et même en période de crise c'est un des budgets qui reste majoritaire parce qu'on a envie de se sentir bien chez soi, quitte à moins sortir, à moins dépenser à l'extérieur, on préfère être bien chez nous, accueillir nos amis et faire de soir avec eux. Les annonces, vous les vérifiez pas, je veux dire de manière exhaustive, vous validez voilà, plus ou moins s'il n'y a rien de scandaleux, mais en tout cas, les produits et les prix sont fixés par les internautes. Les produits et les prix sont fixés par les internautes, mais nous, on intervient dans la modération. Il est notre responsabilité de faire qu'une annonce ou une photo qui paraîtrait un petit peu limite ne puisse pas être publiée. Donc, chaque annonce est modérée manuellement par nos services avant d'être publiée sur le site internet dans un délai de 24 heures maximum. Alors, il y a quand même une particularité par rapport à d'autres sites de petites annonces, hein, vous les avez cités, c'est la géolocalisation. Là, c'est important aussi au niveau du business plan pour vraiment situer l'internaute. C'est très important, ça faisait partie de notre modèle économique de base. Le constat, il était simple, éviter le côté fourre-tout de certains sites nationaux ou régionaux en mélangeant tous les produits, en faisant que vous cherchez une tronçonneuse, vous ayez des vraies tronçonneuses, mais aussi des jouets pour enfants. C'était la problématique qu'on rencontrait sur d'autres sites. Nous, on a fait ça, on a sectorisé les catégories de produits. Eco-Brico était le premier site, mais on en a 99 autres qui sont prêts à faire feu sous la même dénomination, dans d'autres thèmes d'actualité, dans d'autres thèmes d'activité. Et ensuite, le deuxième point, c'était la géolocalisation, quitte à faire faire des économies, autant les faire près de chez soi, et puis ça permet de recréer du lien avec tes voisins et d'être mis en relation avec le premier utilisateur. Et pour votre modèle économique, donc pour les annonceurs sur le site, qui est votre seule source de rémunération, hein, forcément sur ce modèle, là aussi la géolocalisation est importante pour... La géolocalisation est importante puisque en fait, pour vous donner un exemple de Dunkerque, Dunkerque comporte dans notre modèle 34 codes postaux, dès qu'un des 34 est tapé, les annonces apparaissent par ordre de priorité, les bannières annonceurs également, mais également les boutiques professionnelles qui font aussi partie du modèle économique, c'est-à-dire que les professionnels ont la possibilité, sous un forfait mensuel, d'avoir une page dédiée qui présente leurs services, où est-ce qu'ils se trouvent, leur activité, leurs coordonnées, et ainsi que toutes les annonces qui sont diffusées par ces professionnels. Alors c'est quoi l'avenir pour la société Tout Eco? C'est éco-jouet, éco-ménage, voilà, d'autres émanations. On a démarré Éco-Baby le 4 août sur le modèle de la puériculture, avec le même type de dénomination. On a Éco-Imo, Éco-Nimo pour tout ce qui est animaux de compagnie, avec le premier module de rencontre entre animaux de compagnie. Vous pouvez trouver un mâle, une femelle à proximité sur les accouplements. Ça n'existait pas aujourd'hui en France, donc nous on a l'intention effectivement de le mettre en place. Également Éco-Mairie, c'est un site dédié à l'image d'une mairie, où une mairie a la possibilité de pouvoir gérer cette fois-ci plusieurs familles, un peu comme le Bon Coin, mais un site dédié dont ils peuvent faire la promotion auprès de leurs administrés. Ça rentre dans les obligations Grenelle Environnement 2020 pour la réduction des déchets, puisque le Grenelle impose 45% de réduction de déchets. Bien, tout cela, donc c'est la société Tout Eco qui édite ces sites, notamment eco-brico.fr, société Tout Eco. Donc vous êtes le cofondateur Michaël Pouchelet. Merci d'être venu sur Grand Lille TV pour en parler. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.